Phantom, ça fait des années que j'attends ce moment. On va enfin savoir qui de nous deux est le meilleur joueur du serveur. Je vois. C'est une provocation en duel. Tout à fait. Non seulement je serai le premier joueur à te vaincre, mais je prendrai également le contrôle de la guilde de justice. Très bien. Dans ce cas, il n'y a plus de factions qui tiennent. Ma barre de furie est à son maximum. C'est le moment de vérité. Il va incanter son cataclysme. Je fais appel à la puissance des éthers. Soyez le bras armé de ma colère. Que le cataclysme se déchoue. Qu'est-ce qui fait chier là? Ouais! Oh, Arteon, ouais! Je suis chez moi. Quoi? Mais pourquoi, quelle heure il. Oh putain! Ah, je suis vraiment désolé. Oui, bah ça va, je me suis pas levé, c'est bon! Quoi, oui, bah ça va, je me connecte! Bon, par contre, attendez-moi, je suis à la taverne encore. Non, j'ai pas le temps d'aller devant la tour, c'est bon, j'arrive! Oh alors, la tour Gamal Adria-Bouillec, où est-ce que c'est? Ah oui, c'est par là. Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est le serveur ou c'est ma connexion? Bon, je déco et je reco. Ça y est, je l'ai semé. Il était vraiment super collant lui. Oh non, il est toujours là. Bah alors, le noob, qu'est-ce que tu fous ici? La tour Galamadria et Bouillac, c'est ce côté-là! Kolkata, c'est toi? Cours vite! C'est Dardane! Il arrive! Dardane? Le gardien de Mortegard? Mais qu'est-ce qu'il fout ici? Je crois que je me suis trompé, je voulais aller à la tour Galadriac, mais je me suis retrouvé à Mortegard. Et j'ai voulu lui demander par où y aller, mais il m'a tapé, alors je me suis enfui! Bouge pas! Mais tu l'as tué d'un seul coup? Mais t'es niveau 100? C'est quoi ton problème? Problème? Mais je suis pas malade, hein? Je fais même super bien! T'aurais pas un chromosome en trop des fois? Un chromosome? C'est un objet rare? Non, ok. En fait, t'es juste con. Ah, prodigieux. Hein? C'est Tenchirog le hacker? Hier à la taverne, j'ai oublié de te demander si tu voulais pas faire partie de notre guilde. Ah, ça ne fait plus aucun doute. Tu es l'élu. Mais c'est quoi? C'est la réunion des coches sanguins anonymes aujourd'hui? Tu vas devenir ma nouvelle arme secrète. Depuis mon retour sur Horizon 1.0, ils ont triplé les effectifs des maîtres de jeu, mais... j'ai plus d'un tour dans mon sac. Bon, le débile, tu viens avec moi. Il faut que je frappe sur quelque chose, alors autant que ce soit sur les meubles de la tour Galamadria-Bouillac. Eh oui, c'est vrai, on va être en retard. Au revoir, Tenchi. Il y a un panneau. On est bientôt arrivé. Mais il y a un autre panneau! Décidément, c'est super bien indiqué! Hein. Il est merveilleux! Un magnifique spécimen! Ça, c'est pas possible, quand je disais qu'il était collector celui-là, j'étais quand même loin du compte! Mais pas par là, tête de nœud! Qu'est-ce que tu fous? Tu vois pas, tu tournes en rond là! N'importe quoi! Putain, je vais te défoncer, je vais te remettre le cerveau à l'endroit! Bon, c'est décidé! Je vais lancer le plan Noob! Power.
Ah, les MJ veulent m'empêcher de supprimer les comptes des niveaux 100. Qu'à cela ne tienne. Avec un nook tel que Sparadrap, bien utilisé, je ferai fuir les joueurs les plus patients des MMORPG. Plus un demeuré possède de grands pouvoirs sans responsabilité, plus ses dommages sont considérables. Je vais le stuffer, je vais l'équiper, je vais le caver de pouvoir. Et il créera des dommages que même George Bush n'aurait pu espérer faire. D'ailleurs, je me suis renseigné sur toi, mon petit Sparadrap. Il paraît que tu as réussi à délivrer Maître Zen de sa prison virtuelle. Maître Zen ? Mais je l'ai pas libéré, c'est même plutôt le contraire. Oui, c'est vrai, il est un petit peu en prison. Mais c'est un détail, voyons. Tu l'as libéré du joug virtuel. Il profite chaque jour de la vie réelle. Oh putain, il va me saouler ! Ha ! Les MJ sont complètement dépassés. Pire, ils crouleront sous les requêtes. Et là, ils baisseront leur garde et s'attendent de faire un grand coup. Que la guerre des noobs commence. Et faut pas oublier d'aller à la tour Galmada. Faut y aller. Golgotha. Oh, je vais être en retard pour le rendez-vous. Connaissant cet enfoiré d'Omega Zen, il va réussir à convaincre Arthéon de faire le donjon sans moi. Et en plus, sur aucun loot. Ah non, hors de question. Putain, mais qu'est-ce qu'ils foutent maintenant ?